Et encore des messages. Plutôt de 250 millions d'euros pour l'isolation des logements, de l'emploi durable pour les PME locales. Ça, c'est très important. On le redit tout le temps, l'équivalent d'un département de terre agricole disparaît tous les 7 ans en France. Sous le béton, sous des grands projets inutiles imposés qui ne profitent qu'à quelques-uns, comme Vinci par exemple, et qui se fait donc au détriment de notre environnement, de notre biodiversité, des paysans, donc quelque part de l'emploi local. Et au détriment de l'agriculture locale, parce que on le sait que si nous n'avons plus d'agriculture locale, on va manger de la nourriture qui vient de super loin, qui sera très mal contrôlée, qui sera donc souvent empoisonnée par beaucoup de pesticides et autres, et qui nous rendra de plus en plus malades. Et puis en plus, si nous n'avons plus d'agriculture en local, eh ben, le jour que les magasins sont vides suite à un manque pétrolier, une crise pétrolière ou quoi que ce soit, en 48 heures, on n'aurait plus rien à manger. Donc ça serait super grave, évidemment. Et en plus, quand il faut faire venir la nourriture de super loin, énormément de CO2 émis, beaucoup trop pour notre pauvre planète. Donc l'agriculture locale, c'est vital. Et nous la défendrons jusqu'au bout. Et le concert se prépare pour donner de l'énergie à notre lutte. À bientôt les amis. Vive la ZAD, ZAD partout.